Mais dans un virage à droite, un chien traverse, projette Hino à terre. Pour le champion du monde, c'est la troisième chute de la journée. Regardez bien au ralenti. Attention au chien. Hino tombe sur le flanc. Il repartira rapidement. À Pierrefitte, 215 coureurs prennent le départ du 45e Paris-Roubaix. Un départ raté pour une quarantaine d'entre eux, dont Masson, Aubry et Grisol, qui culbutent par suite de l'encombrement des voitures de resquilleurs. Lijnvoorste. Oh, allez, oh. Fletcher. Oh, kijk hier. Nou. Waar komt hij vandaan? Ja, als hij in het voorwiel komt, dan sta je echt... Alain Bondy est victime d'une chute. Nous ne sommes plus qu'à quelques kilomètres de l'arrivée, une dizaine de kilomètres. Et sur ces pavés qu'il connaît bien, Alain Bondy va tenter l'impossible poursuite. Regardez, maintenant, vous allez regarder bien à droite de votre écran. Regardez, quand Cancellara tourne, mais regardez, ça gagne, voilà. Hop, ah, il a fait une roue arrière à Willing, il va passer dans la boue, il monte sur le bas-côté et il reste sur le vélo. C'est le seul à passer au milieu. Torch, Sean. That's one of the mechanical problems. We watch here now as I think Orff has gone straight into the ditch. Et on attaque la terrible tranchée d'Arenberg, trouée sinistre, témoin du travail impitoyable des hommes. Gaumont en est la victime. Terrible destin. Il souffre d'une fracture du fémur de la jambe gauche. Et Bonhomme essaie de prendre 2 mètres. Non, Hischoft qui s'accroche. Bonhomme va essayer de lâcher Hischoft. Hein. Oh là, et Hischoft qui est passé, chute. Bonhomme est allé trop vite et chute Hischoft dans le virage. Hischoft, on le sentait, était limite rupture pour rester dans le... Dans la route de Bonhomme qui a pris un virage par... Mais cette image-là, elle est forte. Ah ben voilà. Oui. Et il brosse ça avec un sourire. Décidément, rien ne lui aurait été épargné aujourd'hui. Et qui rassure ses proches.